Paris-Nice Cyclo, c'est une épreuve méconnue et devenue mythique. Ce sont 10 jours consécutifs de vélo sans repos, avec un parcours différent à chaque édition. Les participants n'ont qu'à se préoccuper d'eux-mêmes. L'organisation fait le reste. Au total, 1700 km et 26 000 mètres de dénivelé. Bon courage. Sachez que on est tenu de respecter le code de la route et que les autorisations préfectorales nous sont accordées si ces règles sont respectées. Prenez tout le plaisir qu'il faut pendant cette belle course jusqu'à Nice. Merci. Merci Madame Le Maire. Derrière, tranquille, de toute façon, tout le monde va être arrivé. And I had a fantastic experience. It was very well organized, and everyone from Paris to Nice was extremely kind and helpful. I highly recommend the ride to other cyclists. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby. I'm better, yes. Freak me, baby. Yes, yes. I'm freaky, baby. Si demain, ça se calme. À demain. Ah ouais, demain, je vais le dire. C'est l'enfer. Je vous souhaite une bonne continuation, surtout. Merci. Bravo. Wait, go, go.
tante parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai veduta, vissuta con te. Adesso sì, li vivrò con te. Sei lontana, sognare orizzonte, mancano le parole. E io stilo so che sei con me, con me. Mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te Jason and I are ambassadors for the event and try to get more riders from around the world because we love Paris and it's magical.
vraiment ravie de cette première participation. Nous étions 157 participants de 7 nationalités différentes, de tous les âges, avec des allures plus ou moins rapides selon les entraînements et envies de chacun. Sûr, je reviendrai. Je pense que c'est la première année où il y a la meilleure cohésion entre vous. C'est une réflexion qui m'a été faite et c'est une observation de notre part. Le parcours était différent, mais je le savais, ardu. C'est là que je me suis dit que vous aviez un entraînement adapté à une telle épreuve. J'ai vu des organismes fatigués, le matin parfois des traits tirés. Vous connaissez la philosophie de l'épreuve, quand on est fatigué, vraiment fatigué, on prend place dans un véhicule pour repartir le lendemain.